Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne de télévision Réveil TV. Par la grâce du Seigneur, nous émettons depuis Port-Gentil. Bienvenue, n'est-ce pas, à votre émission, le quiz biblique. Donc, alors, le principe du jeu est simple, c'est de nous permettre d'enrichir notre culture biblique, autant pour moi, n'est-ce pas, par des questions, en répondant à des questions, n'est-ce pas, qui nous seront posées. Et l'objectif aussi est de nous amener à nous déstresser, à nous évader un tout petit peu, apprendre, n'est-ce pas, à cultiver notre vocabulaire biblique par dans la joie, dans la bonne humeur et la gaieté. Donc, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous avons sept players qui peuvent s'afficher. Donc voilà, donc par la grâce du Seigneur, nous avons sept joueurs. On a notamment Tanguy, Yannick, Paul, Dani, Espérance, Nina et John Alexis. Donc, nous souhaitons aussi, une fois de plus, bénir et remercier le Seigneur, n'est-ce pas, pour les frères qui ont conçu la quasi-totalité des questions, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'application sur Play Store, c'est l'application Questions-Réponses, une application gratuite qui vous permettra, n'est-ce pas, de davantage vous exercer pour les prochaines émissions. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer notre jeu avec la première question, si la régie est opérationnelle. Donc, première question. Voilà, donc aujourd'hui, nous aurons droit à 30 questions. Que fut le signe de l'alliance que Yahvé établit avec Abraham et sa postérité après lui? Alors, code de couleur rouge, l'arc-en-ciel. Code de couleur bleue, la circoncision. Code de couleur jaune, le sabbat. Donc rappelez le principe qu'on peut tous avoir la bonne réponse, mais celui qui répondra le plus rapidement possible aura le plus grand nombre de points. Donc nous avons pour cette première question sept réponses et tout le monde a correctement répondu. La réponse à la question était la circoncision. Alors si les frères peuvent, n'est-ce pas, nous proposer l'explication, sinon le passage qui nous le confirme. Donc, l'explication se trouve dans Genèse chapitre 17, le verset 9 à 14. Donc, si vous lisez, n'est-ce pas, cet extrait de passage, vous comprendrez que le signe qu'Abraham a traité avec Abraham, qu'Élohim a traité avec Abraham, était la circoncision. Par exemple, au verset 11, on dit: Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc, le signe était bel et bien la circoncision. Alors, si on peut voir comme ça les réponses, les scores, autant pour moi. Donc, on voit que tout le monde a bien répondu, mais le plus rapide était Espérance qui est en tête de liste. Donc, nous allons passer comme ça à notre deuxième réponse de notre quiz, la deuxième réponse de notre quiz biblique. Donc, chez vous, vous pouvez jouer en famille. Deuxième question. Abraham avait quel âge lorsque Yahweh changea son nom en Abraham? Donc Abraham avait quel âge lorsque Yahweh changea son nom en Abraham? 86 ans, 90 ans ou 99 ans? Alors vous avez comme ça un top chrono de une trentaine de secondes pour y répondre. Code de couleur rouge, 86 ans. Code de couleur bleue, 90 ans. Ou code de couleur jaune, 99 ans. Donc, on a notre petit bonhomme qui est en mode cogito. Et je crois que de l'autre côté, n'est-ce pas, nos frères sont en mode cogito. Et toujours rappeler qu'on fait confiance au Saint-Esprit qui peut nous rappeler, n'est-ce pas, l'âge qu'avait Abraham lorsque son nom fut changé. Plus que 7, plus que 6. Et voilà, de nos 7, n'est-ce pas, candidats, nous avons eu droit à deux bonnes réponses. Et l'âge était de 99 ans. Alors on peut comme ça afficher le passage qui nous l'explique, s'il vous plaît. Genèse chapitre 17, du premier verset au verset 5. Donc puis Abraham étant âgé de 99 ans, Yahweh lui apparut et lui dit: Je suis le Dieu du Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Donc, et puis on voit que son nom a été changé au verset 5. Et on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham. Donc, la bonne réponse était 99 ans.
Alors, on peut aller du côté des scores pour voir qui concrètement a donné la bonne réponse. Donc, on a Paul qui, n'est-ce pas, prend la tête de notre classement, suivi de John Alexis, l'Espérance de Tanguy et de Yannick. Et Danny n'apparaît pas sur le petit écran. Donc voilà, nous allons passer à la prochaine question. Alors, fais un quiz biblique qui nous aide. Prochaine question. Quel âge Abraham avait lorsque son fils aîné naquit? 99 ans, 86 ans ou 90 ans? Alors, un peu de jojote spirituelle, un peu de réflexion spirituelle. Surtout, éviter de tomber dans les pièges. Quel âge Abraham avait lorsque son fils aîné naquit? Plus qu'une vingtaine de secondes au top chrono. Et on voit qu'on a déjà 6 de nos 7 candidats qui ont répondu. Il en manque un. 4,26 ans, 4,29 ans ou 90 ans. Top chrono, 8, 7. Et voilà, la bonne réponse était 4,26 ans. Et nous avons droit à une bonne réponse. Donc comme ça, on va aller du côté des explications. Quel est le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît? Des frères du côté de la régie. Genèse chapitre 16, le verset 15. Et Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël. Donc, voilà, nous allons basculer du côté des scores. Donc, c'est des moments de détente. Donc, on a comme ça Paul qui est toujours en tête et Yannick qui remonte à la seconde place, suivi de John Alexis, l'Espérance de Tanguy et de Danny qui n'apparaît toujours pas sur notre petit écran. Prochaine question, question numéro 4, si j'ai bonne mémoire. Bah, nous sommes à notre quatrième question, la quatrième question de notre quiz biblique. Qui dit à Agar, servante de Sarai, comment devait s'appeler le fils qu'elle avait enfanté? Donc, qui dit à Agar, servante de Sarai, comment devait s'appeler le fils qu'elle allait enfanter? Donc, on voit qu'on a déjà 5 réponses. Alors là, c'est un passage que nos frères ont suffisamment médité. Ils ont répondu très rapidement. Donc, on a l'ange de Yahweh, on a Abraham ou on a Sarai. L'ange de Yahweh, Abraham ou Sarai. Qui dit à Agar, servante de Sarai, comment devait s'appeler le fils qu'elle allait enfanter? Est-ce que c'est l'ange de Yahweh? Est-ce que c'est Abraham son mari? Est-ce que c'est Sarai elle-même? Un peu de cogito spirituel et je crois que tout le monde devrait, n'est-ce pas, trouver la bonne réponse à cette question. Plus que 3, plus que 2, plus qu'une et top réponse, tout le monde a trouvé, c'était bel et bien l'ange de Yahweh. Donc on va passer comme ça au passage qui nous le confirme. L'explication est dans Genèse chapitre 16, du verset 10 au verset 11. Alors le verset 11 dit, l'ange de Yahweh lui dit, voici tu as conçu et tu enfanteras un fils que tu appelleras Ismaël, car Yahweh a entendu ton affliction. Donc c'est l'ange de Yahweh. Nous allons retourner du côté des scores pour voir l'évolution, n'est-ce pas, de nos candidats. Les scores, s'il vous plaît. Voilà, on a Tanguy qui revient à la marque. Toujours Paul en tête, suivi de Yannick, de John Alexis. Et voilà. Prochaine question. Alors, nous sommes à notre cinquième question. C'est des moments de joie. À quel moment Agar, servante de Sarai, femme d'Abraham, commença-t-elle à mépriser sa maîtresse? Est-ce que c'est lorsque Sarai commença à la maltraiter? Est-ce que c'est lorsque Sarai vit enceinte d'Abraham? Est-ce que c'est lorsque Abraham commença à l'aimer plus que Sarai? Voilà, tout le monde a bien répondu. On a 7 bonnes réponses. Lorsqu'elle se vit enceinte d'Abraham. Est-ce que le passage qui nous le confirme peut s'afficher sur notre petit écran?
Donc c'est dans Genèse chapitre 16 du verset 3 au verset 4. Et voilà, c'est la suite du verset 4. Quand Agar se vit enceinte, elle regarda de sa maîtresse avec mépris. Donc c'était quand elle se vit enceinte d'Abraham. Et est-ce qu'on peut basculer du côté des scores, s'il vous plaît, pour voir les changements? Donc on a voilà Tanguy qui avait disparu pour un moment, qui revient à la 4e place de notre quiz biblique. Prochaine question. Question 6. Alors, Agar, servante de Sarai, femme d'Abraham, était originaire de quel pays? Est-ce la Syrie, la Babylonie ou l'Égypte? Quel était le pays d'origine d'Agar, servante d'Abraham, servante de Sarai? Est-ce que c'était la Syrie, la Babylonie ou l'Égypte? Nous avons déjà 6 candidats qui ont répondu. Nous n'attendons plus que le dernier candidat où nous voyons juste le chrono s'effriter. Eh bien, tout le monde a répondu. Alors, la bonne réponse est... La bonne réponse à notre question était l'Égypte. Et nous avons droit à 6 bonnes réponses et une mauvaise réponse. On peut voir le passage qui nous le confirme. Le passage est dans Genèse, n'est-ce pas, chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne. Donc la bonne réponse était l'Égypte. On peut basculer du côté des scores pour voir les mouvements. Donc on a Dani comme ça qui remonte à la 3e place, le changement majeur de notre questionnaire biblique. Prochaine question, s'il vous plaît, nos frères de la régie. Donc, nous sommes comme ça à notre 7e question. Comment s'appelle la servante égyptienne que Sarai donna à son mari Abraham pour femme? Tout le monde devrait y répondre le plus rapidement possible. Est-ce que c'est Agassa ou Adassa? Et oui, la rapidité aussi est importante parce que souvent, beaucoup peuvent avoir la même réponse, mais il faut... Cliquez sur le code couleur le plus rapidement possible. Tout le monde devrait avoir répondu. C'était bel et bien, c'était évidemment Agar. Le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît. Ou en d'autres termes, l'explication. Genèse chapitre 16, à partir du premier verset. Donc, c'est le verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne. Donc, le prénom était bel et bien Agar. Alors, du côté du score, qu'est-ce qui se passe, la régie? Donc, on a comme ça, changement majeur, Yannick qui passe à la tête du classement. Prochaine question, nous sommes vigoureux pour notre Seigneur, Yeshua. 8e question de notre quiz biblique. Éliézer de Damas était-il un esclave dont Abraham racheta la liberté? Oui ou non? Ou vous n'avez comme ça aucune idée? Éliézer de Damas était-il un esclave dont Abraham racheta la liberté? Oui ou non? Vous n'avez aucune idée. Alors, aucune idée aussi est une réponse. Et si vous n'avez aucune idée, vous répondez que vous n'avez aucune idée. Peut-être que la réponse, voilà. Nous avons 2 bonnes réponses, non. Le passage qui nous le confirme, Éliézer de Damas n'était donc pas un esclave qu'Abraham avait racheté. L'explication, s'il vous plaît. 2 bonnes réponses, et là je crois que les choses bougent. Donc c'est le verset 3 du passage de Genèse 15 qui nous le confirme. Abraham dit aussi, voici tu ne m'as pas donné d'enfant. Et voilà, le serviteur né dans sa maison sera mon héritier. Et voilà, donc on ne nous précise pas le prénom du serviteur, simplement. Du côté des scores, qu'est-ce qui se passe comme ça, messieurs de la régie? Il y en a 8, Dani qui fait une remontée spectaculaire et qui prend la première place, suivi d'Espérance, de Yannick, de Paul, de Tanguy. Et je ne vois plus Nina sur le petit écran. Où est-elle passée? Certainement qu'elle reviendra tout à l'heure. Prochaine question, s'il vous plaît. 9e question. Pas de stress. Dans la bonne humeur, dans la gaieté, voilà, tout le monde en train de répondre quasiment. Quel est le nom de celui à qui Abraham pensait que ses richesses allaient revenir?
Est-ce que c'est Ismaël? Est-ce que c'est Eshkol? Ou est-ce que c'est Eliezer? Eliezer. Est-ce que c'est Ismaël, Eliezer ou Eshkol? Voilà, quatre bonnes réponses. C'était Eliezer. Le passage, l'explication. Genèse chapitre 15, le verset 2. On va lire justement le verset 2. Abraham dit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc c'était la bonne réponse du côté du score. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Et Espérance qui prend pour la première fois la tête. Et il y a notre frère John, Alexis et Nina qui ont disparu. Donc certainement qu'ils sont un peu plus bas dans les scores. On ne sait pas, mais ils sont là, ne vous inquiétez pas. Prochaine question. Dixième question de notre quiz biblique. Petit à petit, on s'achemine vers une légère pause. Alors, comment s'appelle le roi de Gomorre? Est-ce que c'était Birsha? Est-ce que c'était Béra? Est-ce que c'était Shineab? On a droit à cinq réponses déjà. Alors, nos frères sont des fervents méditeurs de la parole de notre maître. Comment s'appelle le roi de Gomorre? Est-ce que c'était Birsha? Est-ce que c'était Béra? Est-ce que c'était Shineab? Code de couleur bleue pour Béra. Code de couleur rouge pour Birsha. Et code de couleur jaune pour Shineab. Alors, nous n'avons eu droit à aucune bonne réponse, car la réponse était Birsha. Et du côté du score, rien n'a bel et bien bougé. Mais est-ce qu'on peut d'abord basculer du côté de l'explication, si possible? Donc, Genèse chapitre 15, le verset 2. Genèse chapitre 14, à partir du premier verset. Donc, vous le lirez. Et on voit ici le roi de Gomorre qu'il fit la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsha, roi de Gomorre. Donc, le roi de Gomorre était bien Birsha. Ça, personnellement, je ne le savais pas. Et vous voyez que ce quiz biblique nous permet d'apprendre des choses. Birsha est donc le roi de Gomorre. Il était le roi de Gomorre. Prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 11 de notre quiz biblique. Comment s'appelait le roi de Sodome? Alors, on l'a vu tout à l'heure. Hein? Est-ce que c'est Béra? Est-ce que c'est Élam? Est-ce que c'est Arjok? Est-ce que c'est Béra, Élam ou Arjok? Alors, si j'étais sur le téléphone, j'allais certainement trouver parce que je l'ai lu tout à l'heure dans l'explication précédente. Arjok, Élam ou Béra? Alors, comme nos frères ont le Saint-Esprit, ont une mémoire vive, je sais qu'ils ont tous trouvé. Donc, malheureusement, on n'a que deux bonnes réponses. C'était bien sûr Béra. L'explication, s'il vous plaît. Je crois que c'est certainement le même passage qui va revenir. Voilà. Donc, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome. La bonne réponse était Béra. Voilà. Ce jeu aussi nous apprend le sens de la rétention. Donc, du côté des scores, qu'est-ce qui se passe? On a donc Espérance qui est en train de creuser l'écart. Un peu plus de 2000 ou un peu près de 1500 et quelques points de différence avec Yannick, Danny, Paul et Tanguy. Prochaine question, s'il vous plaît. Alors, nous sommes déjà à notre 12e question. De quelle plaie Yahweh frappa-t-il Pharaon et sa maison à cause de Sarai, femme d'Abraham? L'ulcère malin, la lèpre, ni l'un ni l'autre. Alors, à vos claviers, à vos smartphones, à vos réflexions bibliques. L'ulcère malin, lèpre, la bonne réponse était ni l'un ni l'autre, tout simplement. Et nous avons eu droit à quatre bonnes réponses. Pouvons-nous basculer du côté de l'explication? Donc, vous lirez ce passage de Genèse 12, du verset 17 au verset 20, et vous comprendrez de quoi s'agit-il concrètement. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, voilà un peu, c'était autre chose. Donc, du côté des scores, qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà, on a Dani qui reprend la deuxième place, suivi de Yannick, de Paul et de Tanguy. John, Alexis et Nina ont disparu. Mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Prochaine question, s'il vous plaît, les frères de la régie. Question numéro 13.
Alors, lorsque Yahweh monte à la terre de Canaan à Abraham, les Cananéens étaient-ils dans le pays? Oui ou non? Vous n'avez aucune idée? Lorsque Yahweh monte à la terre de Canaan à Abraham, les Cananéens étaient-ils dans le pays? Oui ou non? Vous n'avez aucune idée? Oui, ils étaient bel et bien dans la terre de Canaan. Et nous avons eu 5 bonnes réponses et le passage qui nous le confirme. Genèse chapitre 2 au verset 4 jusqu'au verset 6. Vous lirez et vous verrez, vous aurez plus de précision. Prochaine question. Ah oui, les scores. Et nous avons Nina qui revient à l'attaque. C'est encourageant de voir notre sœur Nina sur notre petit écran. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la prochaine question, s'il vous plaît. Question numéro 14. Donc, après la 15e question, nous ferons une petite pause où nous remonterons, n'est-ce pas, l'application qui permet d'avoir ces questions. Dans quel pays Abraham alla-t-il lorsque la famine survint? Waouh! Égypte. Et là, c'est fort. Alors, nous allons voir l'explication et après voir qui a répondu le plus rapidement possible. Donc, c'était bel et bien l'Égypte. Donc, Genèse chapitre 12, du verset 4 à la fin, vous verrez que c'était bel et bien l'Égypte. Voilà, le bon passage, c'est plutôt Genèse chapitre 12, le verset 10. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour s'y retirer, car la famine était grande dans le pays. Alors, je suis excité de voir qu'est-ce qui se passe du côté des scores, car tout le monde a donné la bonne réponse. Quels sont les changements? Voilà, on a toujours les mêmes positions, mais je constate qu'il y a Tanguy qui a disparu de l'écran. Question 15. Donc, après cette question, nous ferons un petit break pour vous permettre de souffler quelques secondes. Lorsque Yahweh apparut à Abraham dans la terre de Canaan, que lui dit-il? Je donnerai ce pays à ta postérité, je te donnerai ce pays où tu habiteras ce pays. Juste un peu de cogito. Je te donnerai ce pays, je donnerai ce pays à ta postérité où tu habiteras ce pays. C'est juste un jeu de mots et je pense avoir la bonne réponse, mais je ne vous la donnerai pas, bien sûr. Car il faut une totale transparence dans ce jeu biblique. C'était bien sûr, je donnerai ce pays à ta postérité. Puisque Abraham, on va voir l'explication. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. À partir du verset 6, autant pour moi. Verset 7, et Abraham apparut. Et Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté des scores, s'il vous plaît? Et voilà Nina qui revient à la troisième place de nos classements. Donc, nous allons faire une légère pause de quelques secondes, juste le temps de nous remonter l'application question-réponse. Donc, voilà le principe. Voici, c'est l'application question-réponse. Vous pouvez la retrouver sur Play Store. C'est une application gratuite. C'est une application qui vous permettra, n'est-ce pas, de répondre, de vous exercer pour le quiz biblique. Donc, nous voulons encore remercier et bénir le Seigneur pour les frères qui ont travaillé d'arrache-pied pour cette application. Donc, nous allons poursuivre notre quiz biblique après cette petite pause. On poursuit notre quiz biblique. Question 16. Térak, le père d'Abraham, était-il un sémite? Un sémite, descendant de Sem, fils de Noé? Oui ou non? Ah, je crois avoir la bonne réponse. Oui, il était bien sûr un sémite. Nous avons eu droit à 6 bonnes réponses. Quel est le passage qui nous le confirme? Donc, c'est le verset 24. Du chapitre 11 qui nous le confirme. Et Térak, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nassor et Haran. Donc, c'est le verset 24 nous informe que
Oui. Alors que se passe-t-il du côté des scores? Il y en a Paul qui revient à la troisième place, Espérance toujours en tête et il ne fait que creuser l'écart autant pour moi. Nous allons procéder à la prochaine question. Jusque je suis en train de rechercher Tanguy sur le petit écran. Question 17. Comment s'appelait le grand-père de Lot, neveu d'Abraham? On l'a lu quelque part. Comment s'appelait le grand-père de Lot, neveu d'Abraham? C'est pas loin, la réponse est quelque part là, forcément. Est-ce que c'est Haran? Est-ce que c'est Terak? Est-ce que c'est Charan? Comment s'appelait le grand-père de Lot, neveu d'Abraham? Est-ce que c'est Charan? Est-ce que c'est Terak? Ou est-ce que c'est Haran? Oui, c'était bel et bien sûr Terak. On l'a lu tout à l'heure. Donc, nous avons eu droit à 5 bonnes réponses, une mauvaise et une abstention. Je crois bien. Donc, on va voir le passage qui nous l'explique. Genèse chapitre 11, à partir du verset 31. Donc, Terak prit son fils Abraham et l'autre fils de son fils, qui était fils de Haran et Sarah et sa belle-fille. Donc, bien sûr, vous avez la réponse à votre question. Du côté du score, voilà, tout reste inchangé. On a Danny, par contre, qui est revenu à la 4e place. Tanguy et John Alexis ont disparu du petit écran. Prochaine question, s'il vous plaît. Question 18. Lequel des fils de Noé fut l'ancêtre d'Abraham? Alors, lequel des fils de Noé fut l'ancêtre d'Abraham? C'est des questions qui font réfléchir un tout petit peu. Est-ce que c'est Cam? Est-ce que c'est Sem? Est-ce que c'est Japhet? Je crois qu'on l'a aussi déjà lu. De la notion de la rétention. Sem, Cam ou Japhet? Lequel des fils de Noé fut l'ancêtre d'Abraham? Alors, on a notre bonhomme sur le petit écran qui réfléchit, qui est actuellement la posture de nos frères, en mode réflexion. Et qui nous donnera la bonne réponse? Est-ce que c'est Cam? Est-ce que c'est Japhet? Et la bonne réponse était bien sûr Sem, et on l'a lu précédemment. Et tous nos concurrents ont bien répondu. Et nous bénissons notre Seigneur Yeshua. Alors, le passage qui nous le confirme, c'est le verset 24 et 26, nous informe que Sem était bien sûr l'ancêtre, 24 et 26. Et Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Terak. Et Terak, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc, c'est la bonne réponse. Qu'est-ce qui se passe du côté des scores? Pas trop de changements. Voilà, nous poursuivons notre quiz biblique. Question 19. Question numéro 19. Quel âge Sem, Cam et Japhet avaient-ils lorsque Noé mourut? Waouh! Quel âge Sem, Cam et Japhet avaient-ils lorsque Noé mourut? Je dis vraiment waouh à cette question parce que je n'ai vraiment pas de réponse. 450 ans, 300 ans ou 400 ans? Waouh! Quel âge Sem, Cam et Japhet avait-il lorsque Noé mourut? Il était 450 ans. Et je suis sûr que celui qui a trouvé la réponse est un fervent méditeur de la parole. Quel est le passage qui nous le confirme? Donc, Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cam et Japhet. Tout, voilà, on le dit tous, on précise simplement ça. Tout le temps que donc Noé vécu était fut donc on croit simplement qu'il devait être donc des triplés certainement, c'est ce qui doit ressortir. Ah, j'avais pas cette information. Donc on part du côté des scores et on a Paul qui prend la deuxième place, c'est certainement celui qui a trouvé la bonne réponse. Bon, hasard ou méditation, l'avenir nous le dira. Alors, on va passer à la prochaine question de notre quiz biblique. Question numéro 20. Combien d'années Noé vécut-il? Ah, certainement l'a vu tout à l'heure. Juste un peu de cogito.
950 ans, 900 ans, 969 ans. Alors combien d'années Noé vécut-il? 950 ans, 900 ans. Et la bonne réponse était 950 ans. Nous avons une bonne réponse. Qui est l'heureux gagnant? Je ne sais pas. On va d'abord basculer du côté de l'explication. Tout le temps donc que Noé vécut fut de 950 ans, puis il mourut. Alors qui est l'heureux gagnant de cette question? C'est Yannick, notre frère, qui passe à la deuxième place. Et Tanguy et John Alexis ont disparu du petit écran. Prochaine question, s'il vous plaît. Petit à petit, vous voyez, nous sommes à la 21e question. Noé vécu combien d'années après les eaux du déluge? Waouh! Est-ce que c'est 350 ans? Est-ce que c'est 300 ans? Est-ce que c'est 250 ans? 350 ans, côte couleur rouge, 300 ans, côte couleur jaune, ou 250 ans, côte couleur bleue. À vos claviers, à vos smartphones, chers méditeurs de la parole. Et la bonne question, réponse était 350 ans. Nous avons une joie à deux bonnes réponses. Et je crois simplement qu'il y aura encore des basculements du côté des scores. Donc, quel est le passage qui nous le confirme? Frère de la régie, s'il vous plaît. Genèse chapitre 9, le verset 28. Et Noé vécut après le déluge 350 ans. Qu'est-ce qu'on apprend beaucoup de choses dans ce quiz biblique, frères et sœurs? Alors, quel est les scores, s'il vous plaît? Il y en a Paul qui remonte à la deuxième place. C'est le seul changement majeur. Et Nina qui tient le coup. Prochaine question. Question numéro 22 de notre quiz biblique. Plus que 8 questions et nous le clôturons. Qui alla couvrir la nuitée de Noé? Sem et Japhet, Sem, Japhet. Sem et Japhet, Sem ou Japhet? Qui alla couvrir la nuitée de Noé? Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'ils étaient deux? Est-ce qu'ils étaient deux? Est-ce qu'il était seul? Vous avez la réponse. Voilà, c'était Sem et Japhet. Ils étaient bel et bien deux. 5 bonnes réponses, c'est déjà pas mal. Quel est le passage qui nous le confirme, s'il vous plaît? Genèse chapitre 9, le verset 22. Donc, c'est le verset 23 qui nous importe. Alors Sem et Japhet prirent un manteau qu'ils mirent sur les deux épaules et marchant reculant, ils couvrirent la nudité de leur père. Alors du côté des scores, qu'est-ce qui se passe? Voilà, les positions ne m'en restent inchangées. Prochaine question, je crois, question numéro 23. Plus que cette question et nous basculons petit à petit vers la fin du quiz. Sem et Japhet, en allant couvrir la nudité de leur père Noé, virent-ils la sa nudité? Tout le monde doit pouvoir répondre. Aucune idée? Non, oui. Est-ce qu'ils ont vu ou est-ce que c'était un seul qui a vu la nudité? Non, ils ne l'ont pas vu. Une mauvaise réponse. C'est pas grave, ça peut arriver. Le passage qui nous le confirme. Donc, on a vu au verset 23 que alors Sem et Japhet prirent un manteau qu'ils mirent sur leurs deux épaules et marchant à reculant. Donc, ils ont évité de découvrir la nudité de leur papa Noé. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des scores? Est-ce qu'on va voir, on va apercevoir Tanguy sur l'écran? Et voilà, Paul prend la tête de notre classement. Où est John Alexis, s'il vous plaît? Prochaine question. Question numéro 24. Question numéro 24. Où Noé était-il lorsque son fils Cam vit sa nudité? Dans les champs, au milieu de sa tente, dans la vigne qu'il planta. Ah oui, là, on a déjà 6 réponses. C'est des vrais méditeurs de la parole. Donc, où Noé était-il? C'était bien sûr au milieu de sa tente. 5 réponses contre 2 mauvaises réponses. Le passage qui nous le confirme. Et Noé, homme de la terre, commença à planter de la vigne. Et il but du vin, s'enivra,
essaie de courir au milieu de sa tente. Donc le verset 21 nous le confirme. Alors qu'est-ce qui se passe du côté des scores? Et oui, Espérance qui prend la tête. Yannick deuxième place, Paul troisième place, Dani et Nina qui se maintient toujours à la recherche de Tanguy et de John Alexis. Prochaine question. Question 25. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de notre quiz biblique de ce jour. Qui vit la nuitée de Noé? Voilà, je pense que tout le monde devait répondre. Est-ce que c'est Sem? Est-ce que c'est Cam? Est-ce que c'est Japhet? On peut répondre vite. Voilà, c'était bien sûr Cam. Le passage qui nous le confirme. Alors, Icam, père de Canaan, vit la nuitée de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Genèse chapitre 9, le verset 22. Les scores, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Et les positions restent inchangées. Prochaine question, frères et sœurs dans le Seigneur. C'est le moment de gaieté. Profitez en famille avec vos enfants, vos épouses et vos maris. Fait des bons moments. Où Noé trouva-t-il le vin qu'il but? S'enivra et se découvre au milieu de sa tente. Alors simplement, il a trouvé ce vin là où? Est-ce que ce vin se promenait? Est-ce que ce vin provenait de la vigne qu'il planta? Ce vin provenait de la vigne de son fils Cam? Ce vin provenait de la vigne qu'il trouva? C'était bien sûr la vigne qu'il avait plantée lui-même. Il y a un passage qui nous le confirme et qui va bientôt s'afficher sur notre petit écran. Genèse chapitre 9, le verset 20. Et Noé, homme de la terre, commença à planter de la vigne. Et le passage qui... Et excusez-moi, on va du côté des scores. Donc c'est Genèse chapitre 9. Qu'est-ce qui se passe? Et on a pour la première fois, je pense bien, Yannick qui prend la tête de notre classement. Petit à petit, on s'achemine vers la fin de notre émission. Alors, c'est quoi la prochaine question? Alors, j'espère que chez vous, ces moments vous font du bien. J'espère que vous prenez autant de plaisir que nous à étudier la parole dans la gaieté. Noé et sa famille avaient-ils autorité sur tous les animaux? Ou c'était un piège? Oui, ils avaient bien sûr autorité. Oui, bonne réponse contre une mauvaise. Et le passage qui nous le confirme. C'est bien sûr Genèse chapitre 9, à partir du verset 2. Et que toutes les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tous ceux qui se meurent sur la terre, et tous les poissons de la mer vous craignent et vous redoutent, ils sont mis entre vos mains. Genèse 9, verset 2. C'est quoi les changements du côté de notre classement? Paul revient simplement à la deuxième place et Yannick continue à progresser. Question numéro 27, si j'ai bonne mémoire. Prochaine question. Ah, question 28. Waouh! Petit à petit, comme ça, frères et sœurs, nous acheminons vers la fin de ce quiz biblique. Combien de mois Noé passa-t-il dans l'arche? 16 mois, 8 mois, 12 mois. Waouh! Combien de mois Noé passa-t-il dans l'arche? 8 mois, 16 mois ou 12 mois? 8 mois, 16 mois ou 12 mois. 8 mois, 16 mois ou 12 mois. Vous voyez qu'aujourd'hui, on apprendra quelque chose ou on retiendra quelque chose. Le nombre de mois que Noé a passé dans l'arche était de 12 mois. Donc, Noé a passé un an dans l'arche. Donc, pour vous qui êtes à la maison, c'est un an. La durée du déluge. Et le passage qui nous le confirme. Voilà, donc vous lirez à la maison Genèse chapitre 7. Votre culture, vous pouvez méditer tout le chapitre et vous comprendrez mieux les choses. Donc, ce sont des calculs que vous allez simplement faire. Hein, parce qu'on ne donne pas 12 mois. On précise qu'il y a eu tant de mois, tant de semaines. Donc, vous ferez des calculs et vous verrez que c'est un an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté des scores? Et oui, on a Dani qui vient à la troisième place, comme quoi la patience est un fruit de l'esprit. Prochaine question, s'il vous plaît.
Notre avant-dernière question ou l'avant-dernière question de notre quiz biblique. Combien de mois Noé attendait-il dans l'arche lorsque la terre sèche? Waouh! Combien de mois Noé attendait-il dans l'arche que la terre sèche? Waouh! 11 mois, 6 mois ou 15 mois? Donc là, on verra, on apprendra, on fait quelque chose. Est-ce que c'était 6 mois? Est-ce que c'était 11 mois? Est-ce que c'était 15 mois? Donc le nombre de temps, la durée. Voilà. Le temps mis. Le temps d'attente, autant pour moi. Que la terre sèche. Est-ce que c'était 6 mois? Donc si c'est 6 mois, ça veut dire que le déjà mis à peu près 6 mois. Si c'est 15 mois, autre chose. Et si c'est 11 mois. On apprend des choses dans ce quiz biblique. Je vous rassure qu'on apprend vraiment des choses. Il n'y a pas de vétéran dans le Seigneur. On apprend vraiment des choses. Même les chrétiens qui ont 50 ans de vie chrétienne, je pense qu'ils apprendront beaucoup de choses. Et c'était 11 mois. Il y en a une seule bonne réponse. Et je n'avais pas fait de réponse non plus. Alors, quel est le passage qui nous le confirme? Donc, vous lirez Genèse 7 et vous verrez les versets qui vous donneront plus ample explication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté des scores? Du côté des scores, que s'est-il passé? Il y a Dani qui remonte à la deuxième place, comme quoi, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme nous apprend un dicton du monde. Est-ce qu'on peut passer à notre dernière question? La dernière question de notre quiz biblique qui va déterminer qui a remporté, n'est-ce pas, cette session. Comment Noé sut-il que les eaux du déluge avaient diminué sur la terre? Est-ce que c'est lorsqu'il vit dans le bec de la colonne d'une feuille d'olivier? Est-ce que c'est lorsqu'il vit les arbres en ouvrant la fenêtre de l'arche? Est-ce que c'est lorsqu'il vit dans le bec du corbeau une feuille d'olivier? Beaucoup de similitudes, mais il y a une petite précision qui fera la différence. Donc, c'est comme ça la dernière question de notre quiz biblique. Vous qui êtes chez vous à la maison, nouveau comme vieux chrétien, ça fait du bien à tout le monde. C'est des moments de détente et qui nous permettent de cultiver notre culture biblique, notre connaissance biblique. Et la bonne réponse était lorsqu'il vit dans le bec de la colombe une feuille d'olivier. Et il y a eu 3 frères qui ont correctement répondu. Et on va voir le passage qui nous le confirme. Genèse 8, le verset 10. Et quand il eut attendu encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et sur le soir, la colombe revint à lui. Et voici, elle avait dans son bec une feuille d'olivier qu'elle avait arrachée. Donc, c'était la bonne réponse. Alors, on va aller du côté comme ça. Des scores pour voir qui a gagné. Le troisième, c'est Dani. Félicitations à toi, Dani. Félicitations à Paul. Et le grand champion est Yannick. C'est une joie immense ce soir. Nous avons un nouveau champion. Comme quoi, on apprend tous les jours. Yannick à la première place notre quiz biblique, suivi de Paul et de Dani à la troisième place. Donc voilà, frères et sœurs, j'ai pris tellement de plaisir avec vous, n'est-ce pas, à présenter ce quiz biblique. C'est des bons moments, ça nous réjouit, ça nous fait beaucoup de bien. Donc à une prochaine émission par la grâce du Seigneur. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, paix et grâce.